L'exposition Jasmin Joseph est la deuxième exposition patrimoniale organisée depuis le tremblement de terre de 2010. Cette exposition présente l'œuvre de Jasmin Joseph à travers plusieurs éléments, à la fois des œuvres de la collection permanente du Centre d'art qui illustrent le conte du hibou, mais également des œuvres empruntées à des collections privées. Des œuvres de grand format ont pu être prêtées pour cette exposition. Donc nous avons réussi à avoir une œuvre grand format du Musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre et également des œuvres de collection privée de Madame Axel Lyoto, de la collection Joséane et Georges Nadal et également de la famille Monin. Ces œuvres prêtées sont très importantes pour cette exposition car elles participent vraiment à cette valorisation commune du patrimoine haïtien. Pour cette exposition, un certain nombre d'œuvres d'art ont pu être restaurées, notamment les œuvres du Comte du Hibou. 4 œuvres ont été restaurées par l'artiste et restaurateur Franck Louis Saint. Concernant les sculptures, un chantier a également été entrepris à la fois par Axel Lyoto et par M. Patrick Villers pour nettoyer ces sculptures qui étaient en très, très mauvais état et les mettre sur pied pour l'exposition. Le Centre d'art a voulu présenter d'autres facettes de l'art de Jasmin Joseph et notamment ses débuts de céramisme, c'est-à-dire la période avant 1960, avec des sculptures de la Villa Créole. Donc ces sculptures ont été réalisées en 1957 par Jasmin Joseph. Elles étaient sur le site de la Villa Créole, site qui malheureusement a été endommagé après le séisme. Le site est voué à la reconstruction, les sculptures ont pu donc être sauvées et prêtées pour cette exposition. Au centre de cette exposition sur Jasmin Joseph à la Maison du Fort, il y a une vingtaine de peintures réalisées par Jasmin Joseph et commandées par Diane Vogstein. Diane Vogstein qui était une conteuse américaine qui avait retranscrit ce conte dans les années 70. Donc ces tableaux illustrent les différents épisodes du conte de l'histoire du hibou. On y retrouve en fait toutes les caractéristiques de la peinture de Jasmin Joseph, à savoir la nature, une nature luxuriante et douce, son goût pour les animaux, donc à travers une multiplicité d'animaux comme le hibou, le lapin, le chat, et à la fois son goût pour les histoires et les comportements humains, puisque les animaux sont représentés comme des humains et illustrent cette histoire de façon personnifiée. Chers amis du Centre d'art, pour cette deuxième exposition post-séisme, nous avons choisi de vous présenter
des œuvres de des plus grands artistes haïtiens du XXe siècle. Jasmin Joseph est un artiste autodidacte qui, à force d'acharnement, est arrivé à une maîtrise exceptionnelle de son art, d'abord comme sculpteur et ensuite comme peintre. Dans son œuvre très dense, il expose sa philosophie, son amour de la nature et des animaux, et à travers eux, sa tendresse pour ses frères humains. Cette exposition autour de l'œuvre de Jasmin Joseph, comme l'ensemble des chantiers portés par le Centre d'art, représente le fruit d'une collaboration permanente entre une équipe, un conseil d'administration et des partenaires qui, ensemble, grâce à leur implication, marché, mais c'est la société. Qu'on peut friser tellement marché qu'on peut friser schéma. Et il rencontre avec une belle demoiselle. Il dit, les qu'on peut friser rencontrer avec demoiselle là, qu'on peut friser tomber parler. Et qui ça qu'on peut friser faire, messieurs, dames, la société, qui ça lui fait, il parle, qui ça lui fait, il parle, qui ça lui fait. Demoiselle, là, même ce soir, lui tomber d'amour qu'on perdise. Le fait qu'il ait choisi de peindre des animaux plutôt que des gens, enfin, il y a quelques hommes dans ses peintures, mais en majorité, ce sont des animaux. Et je pense que tout ça décrit un personnage particulier, très original, en même temps très humaniste, même si c'est les animaux qu'il peint, mais ces animaux ont des sentiments et sont un peu anthropomorphes, si on peut dire. Mais en même temps, il y a cet amour de la nature et des animaux dans cette nature, ça se voit. Quand on regarde ces tableaux, c'est ce qu'on voit. C'est un mélange d'humanisme et d'amour de la nature et de tout ce qui fait partie de cette nature. Et une certaine simplicité extrêmement sophistiquée. Je pense qu'il a raconté toute sa vie une seule histoire, en fait. C'est l'histoire de Dieu, parce qu'il y a quand même une énorme empreinte spirituelle dans son œuvre. Et puis il y a aussi des valeurs réelles qui sont, dans tout ce qu'il peint, on les retrouve. Et qui ressortent. De tendresse, d'amour pour les autres, de générosité, de simplicité, mais en même temps avec un univers très bien défini. L'exposition Jasmin Joseph intervient vraiment à un moment charnière pour le Centre d'art. Après la réouverture fin 2014, en 2015, le Centre d'art s'est concentré sur la relance des cours et l'ouverture au public et a énormément travaillé sur son patrimoine, donc sur le traitement de ses archives, le traitement de sa collection, ce qui nous a permis dès 2016 de reprendre des expositions patrimoniales. On a eu une première exposition en janvier 2016 sur les sculptures et les précurseurs du métal découpé. Et cette deuxième exposition patrimoniale, nous a permis de travailler énormément sur la médiation culturelle, sur la recherche également, sur tous les supports didactiques et la façon de communiquer avec un nouveau public qui n'est pas habitué à visiter des expositions en Haïti finalement. Et là, papa. Ici, c'est raisin. Donc c'est, et ça c'est un arbre. Donc c'est un arbre qui produit des fruits, ouais, plusieurs fruits, différents types de fruits. On a recruté 4 médiateurs. On a fait un partenariat avec une association pour avoir des conteurs professionnels, l'association Foodizer Théâtre. Et donc en fait, on a développé vraiment une relation avec les écoles et avec le public grâce à cette exposition qui nous a permis d'élargir le champ d'action du Centre d'art. Les médiateurs, dans le cadre de cette exposition, accueillent, informent, sensibilisent et guident le visiteur autour des œuvres et sur la vie de l'artiste. La médiation
dans le cadre de cette exposition à une orientation pédagogique par rapport au contenu des œuvres. Jasmin Joseph s'est inspiré du conte Hibou pour produire ses œuvres picturales qui rentrent dans le cadre de cette exposition. Considérant le conte pris dans la réalité quotidienne des Haïtiens à la fois comme un genre et une fonction littéraire et orale très connue des Haïtiens, ce choix nous permet d'orienter la vision du visiteur sur les œuvres et sur la vie de l'artiste. Maman, demoiselle, faisons une belle petite fête. Et puis, il invite tout le monde net. Et puis, il a invité pour faire friser tout. Les pour faire friser, attendez. Il a invité la fête là, quel est le monde? Qui est pour faire friser tout, papa? Tim, 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 ah oui, quel monsieur a sauté parce qu'il connaît l'aide, il a quand même fini le fait. Alors, pour faire plaisir, il a commencé à battre tout le monde là, mais il commence à saler tout le monde. Et puis, le monsieur, on est fini là, mais quand j'ai son côté de l'école, c'est à temps, il m'a fait la passer. Quand on fait cette chaîne, on a fait ça aussi. Et si vous prenez la marche comme ça, mais les autres, les danses dans la croix, les danses qui paraissent à danse. Ah non, c'était fait, c'était plein à l'école, c'était pour danser avec tout le monde, j'ai un garçon pour lui, tout le monde dit ton gada, ton gada, ton gada, ton gada, ton gada. Regardez, vous avez fait ça marquer par le ton gada, ton gada, ton gada. Moi-même personnellement, que ouais que n'est-ce pas que bien en pile de formation notre travail pas mais des formations par exemple soit regarde et ça que nous dit que c'est un cheval de mer c'est surtout où on prend ça qui te fait force n'est-ce pas de peinture de Jasmin et Joseph là bon moi-même que je suis capable de dire que je prends un petit bagage n'est-ce pas quand même que dans peinture dans façon qu'elle qu'on a déformé à animaux mais Jasmin Joseph en gros qu'il était capable de dire c'était un grand artiste et c'est un artiste qui a réussi dans le travail. Moi je pense que c'est un artiste qui est à la fois très sensible à l'aspect poétique des choses. Donc il est capable alors que d'autres n'ont pas ce talent de rendre toute la situation avec toutes les nuances qui existent. En peignant des animaux, il arrive à transmettre des sentiments humains. C'est pas évident à faire. Donc, je pense que c'est un artiste qui a quand même beaucoup d'intuition dans sa façon de peindre, beaucoup de délicatesse, de la poésie, de la fantaisie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est un artiste extraordinaire.